Je vous propose un poulet coco. Donc pour le faire, il vous faut 300 g de viande de poulet, un cube de poulet, une brique de jus de coco, 3 g de sel, une cuillère à café de curry, un oignon émincé, 500 ml d'eau pour diluer le bouillon, 2 grosses cuillères à soupe d'huile. On va commencer par mettre notre poêle à chauffer et mettre la viande à dorer avec les oignons. Là, dans notre poêle bien chaude, nous allons mettre les oignons un petit peu avant la viande. On sue un peu. Là, mes oignons ont un peu sué, on rajoute la viande. On va la laisser dorer un peu et après, nous mettrons le bouillon à couvert. Et donc là, ma viande est un peu dorée. On va verser le bouillon en entier. Voilà. Alors, un bouillon, c'est 500 ml d'eau chaude pour un cube. Donc là, c'est un cube de volaille. Vous allez mettre la cuillère à café de curry par-dessus et vous allez laisser pendant 20 minutes réduire. Après 20 minutes de cuisson, voilà le résultat. Ça a bien réduit. Là, on va rajouter le lait de coco. Donc on le rajoute comme ça, on laisse cuire encore une minute et après on enlève du feu. Donc c'est vraiment au dernier moment qu'on rajoute le lait de coco. Voilà, donc vous mettez comme ça, on laisse cuire encore une minute. Alors j'ai pas mis le sel, ça sera à la fin s'il y en a besoin. Mon poulet coco est prêt à être servi. Bon, je vais le servir avec un risotto. Voilà, bon appétit !